Ah. Pourquoi je suis si malchanceuse? Je n'ai qu'une seule pizza. Parce que j'ai eu toutes les autres. Et non, j'ai toutes les pizzas. Regardez ces tours. Oh mon Dieu. T'as une perche à pizza géante et j'en ai qu'une. Ce n'est pas juste. Arrête de pleurnicher. Tu ferais mieux de commencer à manger rapidement. J'espère que ma pizza est au moins la plus savoureuse. Oui, c'est plus savoureux que les autres. C'est bon. Et c'est beaucoup de fromage. J'adore le fromage. Hé, tu penses à poubelle dans lequel on jette les restes, n'est-ce pas? Ouais, tiens. Hé, pourquoi tu te bats? Je l'ai pas fait exprès. Je veux aussi manger mes pizzas. Rien que leur vue me fait saliver. J'ai trouvé un moyen de manger plus rapidement et plus profondément pour que mes mains ne salissent pas. Wow. Je pensais pas que quelqu'un pouvait faire ça. Mais comment tu fais ça? Les pizzas sont bonnes, alors je peux faire mieux que ça. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je pense que tu ne pourras plus supporter les pizzas. Mais nous en aurions besoin aussi. Oui, génial. J'ai besoin de revenir à la normale maintenant. Oh, où sont mes pizzas? Qui les a volées? Et vraiment, qui a osé? Oh, vous, les voleurs, comment osez-vous? Je n'ai pas du tout honte car je pense qu'à manger ma pile de pizza. Très bien. Il faut que je vous mange. Non, peut-être il faut pas que tu les manges. Non, mais qu'est-ce qu'il faut être mieux? Oh, quoi? Oui, on t'a prévenu. Oui, ça a été vraiment une vraie pluie de pizza. Pourquoi j'ai puni de la sorte? Je déteste l'ail. Mais qui l'aime de toute façon? Vous êtes juste malchanceux parce que je n'ai qu'un seul ail. Come on! Ok. Pourquoi tu rigoles? Il s'avère que tu seras la première à le manger. Facile. Je ne suis pas une lâche, alors je peux m'occuper de lui rapidement. Tant que je ne vomisse pas. Oh non, je pense que j'ai surestimé ma force. Je ne peux pas manger cette chose. J'en ai assez. Et maintenant, tu dois manger ton ail jusqu'au bout. J'ai même un cadeau spécial pour toi. Un pressail. Tu peux mettre tout l'ail et le presser dans la bouche. Je ne veux pas. Non, c'était pas une question. Ouvre ta bouche. Oh non. On dirait un chat a vomi dans ma bouche. Oh, je sens cette odeur. Oui, quelle puanteur. C'est une bonne chose que j'ai toujours un chewing-gum pour des occasions comme ça. Merci beaucoup. Vous n'aurez pas à le renifler et je n'aurai pas à en souffrir. Alex, c'est à ton tour de manger l'ail. Pourquoi est-ce que je le mangerai? Regardez quel collier cool cela pourrait faire. Arrête de faire des bêtises. Tu devras quand même manger de toute façon. Très bien. Mais d'abord, nous devons nous débarrasser de toutes les affaires superflues. J'ai un énorme vase pour ça. On secoue un peu. Voilà. C'est que le vrai ail. Alors, je peux le manger. Oh non! C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais goûtée de ma vie. J'ai réalisé à quel point on allait me tuer. Une simple pince à linge peut toujours protéger contre toute odeur. Et si cela ne suffit pas, on peut vaporiser du déo. Je pense que le simple fait d'utiliser du déo n'aide pas. Il faut neutraliser la source de la puanteur. Ça a marché. Mais n'essayez pas de le faire à la maison, car le déo est très dangereux. Mais je sens pas mon haleine. Génial. Julie, t'attends qui? Dépêche-toi de manger ton ail. Je déteste ça depuis que je suis enfant.
Si vous voyez mon visage devenir vert, aidez-moi. S'il vous plaît. C'est juste dégoûtant. Horrible. Pourquoi t'es si pressée? Oui, vous n'avez rien à vous dépêcher. Ainsi, je peux me débarrasser de ces tailles. Waouh, c'est courageux. De quelle vitesse! Julie, tu t'en sors très bien. Oh oui, encore un peu. Waouh! Comment c'est possible? Non, il n'y a plus d'ail. Waouh! Mais moi, je ne fais pas comme ça, Julie. Je suis désolée, mais nous allons devoir t'isoler. Oh, nous allons tous nous évanouir à cause de cette puanteur. Et pourquoi? Ouais, enfin! Oui, et je me sens tellement mieux. Oui! Oh non, pas de chance avec le tic-tac. Et j'ai de la chance, j'ai un paquet entier. Regarde, carrément de la chance. Oui, je suis censée recevoir un tas de goodies un jour. Mais là, t'as le moins de sucreries. Alors, tu peux commencer. Je pense que je peux manger un tic-tac. C'est bien, mais c'est terriblement petit. Alex, c'est à toi de jouer. Enfin, je suis sur le point d'avoir le plein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne sort? Alex, t'as plus de bonbons? Oh non, maintenant le tic-tac est sur la table. Je pense que je peux le ramasser rapidement avec une paille. C'est fait. Julie, t'es la seule qui reste. Je n'ai pas seulement un énorme paquet de bonbons, j'ai tout un tas de paquets ordinaires. Et il y en a assez pour tout le monde. Voilà, tous les bonbons, c'est à moi. J'adore les tic-tac, alors je mangerai rapidement 2 douzaines de paquets. Non, tu n'as même pas partagé avec nous. C'est pas grave. Je connais un moyen de voler un paquet. Tada! Les bonbons sont à nous. Arrête-toi là! Vous n'avez pas honte de voler? Il n'y a aucune preuve. Vous ne pouvez rien prouver. Maintenant, je vais vous donner une leçon rapide. La vengeance de Julie sera terrible. Tenez! Alors, vous saurez comment voler mes trucs. Mila, c'est tout un tas de bonbons. Dépêche-toi de les prendre. C'est vrai? Horrible! Je n'ai plus de tic-tac. J'ai tout dépensé en balle. Mais au moins, t'as partagé avec tes amis. On est dans un challenge. Et avec des gâteaux. En plus, c'est moi qui commence. J'ai vraiment hâte de voir qu'ils viendront compléter mon gâteau. Wow, ces trous pourraient tourner sans fin. Mais personne ne m'empêche de l'arrêter moi-même. Pour que les choses restent justes, je vais fermer les yeux. What? Quoi? Wasabi? Je rêvais tellement que je recevrais des goodies. Mia, c'est à ton tour de faire tourner la roue. J'espère au moins avoir de la chance. Wow! Et s'il y a une flèche entre les deux, cela signifie que j'obtiens rien? J'avais tort! J'ai tout eu! Et la meilleure partie, je peux découvrir le gâteau et le rendre encore plus délicieux. J'adore le Nutella. Mais comment faire pour qu'elle s'étale uniformément sur le gâteau? C'est vrai? Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Je dois demander l'aide d'accessoires de construction. Une spatule devrait m'aider. Ça a l'air délicieux. J'adorerais essayer ce gâteau aussi. Et ce n'est pas tout. Maintenant, tu dois bien étaler le chocolat sur le gâteau avec le rouleau. Maintenant, nous pouvons passer au chocolat.
Et maintenant, on peut se débarrasser des emballages et ensuite se mettre au travail. Bingo! Wow! Wow! Il est très important de ne pas se tromper dans les dimensions. Il faut donc d'abord mesurer avec un mètre ruban. Tout correspond à une taille parfaite. Maintenant, on peut faire une décoration pour le gâteau. Hey, Kate, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'attends là? Ouais. Oh, ça a une odeur forte. Mais je vais prouver que je suis courageuse. Je n'ai pas peur d'un peu de wasabi. Il ne reste plus qu'à répartir le wasabi sur le gâteau. On peut utiliser une spatule pour cela. Je ne pense pas que cela dérange Emia. Oh, il y a même des restes de Nutella. C'est fait. Il n'y a pas besoin de laver la spatule. Il y a voilà la rendre à Mia pour qu'elle ajoute du piment à son gâteau incroyablement délicieux. Bizarre, pourquoi le chocolat est-il vert? On dirait que c'est du wasabi. Kate, non, t'as pas honte de toi? Comment tu oses? Et si tu me frappais dans l'œil? C'est tout. Assez parlé, c'est l'heure de manger. Je pense que Kate a perdu la tête. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, c'est bon pour toi? Il était temps que je mange du gâteau, moi. Quelque chose me dit que ce sera absolument magique. J'avais raison, c'est le gâteau le plus savoureux que j'ai jamais goûté. Je ne peux pas m'arrêter. C'est une véritable bombe de chocolat. Bombe de chocolat? Moi, par contre, je n'ai pas de gâteau, mais un vrai feu. Bon, allons-y. Oh non! Dans ma bouche! Aidez-moi! Il faut plus! Non! Va-t'en! T'as une punition qui t'attend! Ça ne sera pas dur. Ah non, en fait, j'avais tort. Je déteste les œufs. Bien fait pour toi. Tu sauras comment voler c'est quelque chose de quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que tu doives mettre des œufs dans le gâteau. Tu dois mettre tous ces œufs sur toi. Oh non, je suis toute mouillée. Horrible. Ça va être délicieux. Mia, pourquoi tu dors? Ah, c'est vrai. Oui, j'ai les sucettes. Awesome. Et qu'est-ce que j'ai, moi? De la nourriture pour chien? Mais je suis pas du tout un chien. Mais tu dois le manger. Et il y a un barillet entier de délicieuses sucreries qui m'attend. Hey! What? Awesome! Personne n'a jamais goûté de nourriture pour chien. Peut-être que c'est un fait très savant. Seulement, j'ai du mal à ouvrir du tout. Ah, il y a eu vent spécial pendant tout ce temps. Oh non! Oui, rien que l'odeur de cette nourriture me rend malade. Et j'aime beaucoup les sucettes. Si aigres, si savoureux. Ils ont vraiment leur place sur un gâteau sucré. Ils compléteraient leur saveur. Incroyable! C'est devenu magnifique. Awesome. Essayons. J'adore ce morceau. On peut sentir l'aigreur. J'aime bien. Could you please... Kate, arrête de me regarder et mange ta nourriture. Non, mais si je vais tout mettre, ça va mal se terminer. Awesome. Oui, en fait, ça suffit. Non, vas-y, mets tout. Okay. Mais pourquoi t'es si méchante? Oh non! T'es heureuse? Maintenant, je mange pas de gâteau, mais un bol de nourriture. J'espère que je vais pas vomir. Oh! Hey, you! Oh,
tu veux manger quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient le chien? Je suis allergique au chien. Vas-y, sors d'ici. Oh, elle est tellement méchante. Si le chien peut le manger, alors moi aussi. Oh non, en fait, je ne pourrais pas. Mais pourquoi tu râles? Mes bonbons sont vraiment acides. Même toi, t'aurais dû voir ton visage. Dommage que mon téléphone soit loin. J'aurais pris une photo comme ça. C'est vrai. Pendant que t'es gelé par ton aigreur, je peux donner la nourriture à la personne à qui elle a été affectée. Bébé fille, bon appétit. Le chien est encore là? Et t'as encore enfant les règles et tu n'as pas mangé sous ce qu'on t'a donné? Lors de la rue de punition. Oh non! Ah, peut-être que tu ne devrais pas. D'accord. Bon, tu le feras de toute façon. Oh non! Ça va ruiner le maquillage! Et ça va être amusant! Oh non, j'ai besoin de me laver le visage tout de suite! Je trouve que ça te va très bien! Horrible!